comme vraiment dedans. Comme trop dedans. Sérieusement, j'ai cru que t'allais frencher Alexis à la fin de la fin. Oh, dégueulasse! J'aimais ça, des affaires de même, là. Yes, c'est tout. Vous êtes pas capable de voir quand tout le monde font des tchous. Mais je comprends pas. Je croyais que le thème, c'était les tool kittens, pas les tool kits. Ben, le chanteur a déjà eu chose, là. Il était pas fou. Ben, c'est encore drôle. Il a chanté une tune où il disait qu'il voulait se faire teindre en blonde. De quoi tu parles? Ben oui, c'est vrai. J'ai vu un film sur sa vie, puis il chantait ça qu'il voulait être une femme ou une affaire de même. Ok, mais elle a pas dit que la tune était gay. Mais tu le chantais comme un fif. Ben, quand tu chantes une chanson en gay, ça a des enfants de même. C'est comme une affaire de loup-garou, genre un film de loup-garou, mais musical. En tout cas, moi, je trouvais ça bien chanté. T'as une belle voix, Nicolas, puis faut pas que t'es écoutes. Merci, c'est non, mais pour vrai, tu revends la voix. C'est vrai que t'aurais été chanceux que les chanteurs ont l'air gays à cette émission-là. Faut quand même pas exagérer. Disons presque tous. Et vous arrêtez de l'écœurer, en fait. Non, non, c'est correct. Je sais que c'est pas méchant. J'ai une foule de bonnes idées. On va maquiner, puis ensuite tu vas rechanter ta tour. Oh oui! Oh non, ça me tente vraiment pas. Oh, fais pas ton fif, on y a essayé tout si on a plus besoin de liaiser qu'on se voit. Ouais, pis peut-être que si t'es jolie, elle vient en fille. Je vais avoir un kick sur toi. Laisse ton frère, tu vas voir, tu vas adorer ça. Tu vas découvrir la femme en toi. Ta part de féminité. Sérieux, j'ai pas envie. Hey, t'as tellement fait de sens d'amour. Faut... C'est important de savoir rire de soi. Mm-hmm. Parce que toi, tu ris de toi, peut-être. Oh! De toute façon, c'est pas grave, t'as pas de l'air d'un vrai fif. Mets plus de rose, t'as dit. Oh, c'est beau tes yeux. Ah, c'est vrai, t'es vraiment jolie. Oh non, non, on va te montrer quand ça sera fini. Là. Tu peux pratiquer tes duck face en attendant. Mets plus de trucs sur ses joues, il a l'air folle. Il dirait qu'il joue dans un film de vampire. T'as tellement raison. Mets-lui plus de mascara pour faire sortir son beau regard. Fais comme ça avec ta bouche. Oui, c'est bien. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Rassure-moi, t'as pas fait ça toute ta vie. Moi, je trouve que c'est ses cheveux qui font dur. Ok, c'est bon, il est assez déguisé, vous pouvez arrêter. Ben, il est pas déguisé, il est juste elle-même. Oh, plus beau, plus belle. Yes, yes, je savais que j'avais raison. Écoutez ça. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde. Wow! C'est ça que t'aurais dû chanter. Hey, j'ai une idée. On va chercher de quoi pour te bleacher les cheveux. Oh! Je suis sûre que j'ai du peroxyde. Pendant qu'on va aller chercher de quoi, ok? Faudra que tu chantes. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune. J'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis si tu me le ça si drôle. Je me demande si on n'est pas en train de l'intimider à tout le temps niaiser. Mais c'est ça j'aurais pas dit. Hey, come on là, intimider là. On peut plus jamais se faire du fun sans qu'il y ait du monde qui dise que c'est de l'intimidation. Cet homme-là, là, il a le dos large. Arrêtez de tout dramatiser. Il est super willing. C'est toi qui veux jamais qu'on se fasse de fun. On niaise là, c'est tout. Ouais, mais des fois je me demande si on fait pas un peu des jokes homophobes. Ben non. Ça serait homophobe juste si Nick était gay. Moi, j'ai le frère de ma meilleure amie qui est gay. Pis j'ai aucun problème avec ça. Faut dire qu'il parle normalement. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis normalement? Ben, c'est pas le genre de gay qui se donne plein de manières. Cela, il me tombe sur les nerfs. Ok, mais t'as pas d'amis gays? Bon, ok, j'en ai pas, mais parce que ça la donne pas. Mais si je me disais que t'étais gay, je t'accepterais pareil. Je suis pas gay! Avec toutes les fois que t'es venue dormir chez moi, j'aurais capoté. Oh! Ça marche-tu? Non.
non. J'ai une vieille teinture L'Oréal de ma mère qui doit dater de 1996. Est-ce que ça peut passer date, ce genre d'affaire-là? Ben non, c'est comme le vin. Plus c'est vieux, plus c'est bon. J'ai trouvé! Les cheveux à Nick, ok? Nick! Nick! On s'en vient! J'entends plus chanter. On chante pour l'encourager? J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher le but. Hey, je crois pas. Il se cache. Comme quand on avait 6 ans. On dirait que ça ne tentait pas trop de changer de couleur les cheveux. Ben là, Nick a toujours été un peu trop conventionnel. Nick! Ça, sérieux, là, c'est plus drôle. Ah non, j'aime vraiment pas ça, les affaires de même. Tiens donc, il commence à capoter pour rien. Peux-tu l'appeler? Il répond pas. Ok, Gab, texte-le, là. À toi, va te répondre, c'est sûr, là. Dis qu'on est désolé. Mais là, désolé de quoi, ok? Tiens, on a rien fait. Wow! Pourquoi t'es full agressive? De quoi tu parles, agressive? Ben, de ça, là. T'es agressive. Ok, est-ce que je suis agressive en ce moment? Suis-tu agressive? Texte-le, c'est tout. Je suis sûre qu'on capote pour rien. Il nous fait une joke. En quoi ça serait une joke? Y'a rien de drôle là-dedans, là. Ben, il veut juste de l'attention. Il se sent différent. Fait qu'en se faisant remarquer, il va devenir spécial, mais spécial positif, genre. My God, faites tellement de la psychologie pour rien. Moi, je pense qu'il était juste allé et rentré chez eux. Faut dire que c'était plate comme party. Ok, ben on y va pour vérifier. Okay, tu capotes pour rien, on le verra demain à l'école pis c'est tout. Mais moi ça me tente pas d'attendre jusqu'à demain, j'ai vraiment un mauvais feeling. Le fameux sixième sens des filles. Je crois pas à ça! Pis, je suis une fille. Mais t'as un feeling de quoi? Je sais pas, j'ai juste un mauvais feeling. J'ai entendu de quoi avant de partir. Quoi? Il t'a dit quoi? Il a dit après ce que je veux faire, c'est mieux me comprendre. On va faire la même. Mais si ça veut juste dire qu'il était tardé et qu'il faut se trouver dans le victime pour le reste de la soirée. Pourquoi tu dis victime? Ok, peut-être que victime c'est un peu intense. Comment tu dirais toi? Ok, puis qu'est-ce qu'on va dire à ses parents? Moi, je les connais pas, ses parents. Puis un jour, il m'a dit que son père était full sévère. Mais écoute, on aurait juste à dire qu'on voulait faire une surprise. C'est tout. Ok, puis s'il est pas là, ses parents vont capoter. Faut pas qu'il déclenche une alerte Amber, là. Non. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont capoter. En plus, il est censé être avec nous. Ah, ok, non. Là, j'ai vraiment un mauvais feeling. Peux-tu arrêter de répéter ça tout le temps? On dirait que ça tente qu'il se passe quelque chose d'horrible. On n'est pas dans un de tes télèbres en poche. Réveille, c'est pas mal dans la vraie vie. Mais elle a raison. Moi aussi, j'ai un mauvais feeling. En plus, avec ce qu'il m'a raconté la semaine passée. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a raconté une affaire avec ses parents. Il leur a dit qu'il était gay, mais genre juste pour niaiser. Mais pourquoi il leur a dit ça? C'est weird. Je pense qu'il voulait juste voir sa réaction. Il est pas plantonné, qu'il veut juste... Il aime provoquer le monde. Ok, mais peut-être il est gay. Pour vrai. Ben voyons donc, comme si ça se pouvait. Nick est pas gay, c'est comme si tu disais que je sais pas, ça se peut pas là, ça se voit quand quelqu'un est gay là. Et non, j'ai pas été agressée. Ok, on entre. T'es-tu fou? On va
va se faire aider par la police. Mais non, il n'y a pas de danger. Je suis sûre qu'il y a ses clés. T'es sûre? Pour mon père, c'était juste la mère Joe Como. C'est ça. Moi, je suis la mère Joe Como. Quand il a arrêté de rire, il m'a dit, je sais que tu choisiras jamais d'être gay. J'aurais dû dire, pis toi, c'est quand que t'as choisi d'être hétéro? Je suis plus capable de faire semblant. Je suis capable de tout le temps surveiller comment je parle. Je suis capable de tout le temps faire semblant que je serais pas intense des films et que je suis trop pognée pour aller les cruiser. Je voulais pas être gay. Je peux juste pas faire autrement. C'est pas de ma faute. Je suis tellement tannée. Maman, papa, je vous en veux pas. Papa, c'est pas de ta faute. Je vous aime. Je voulais tellement pas vous décevoir. Pis toi, Alexis, je pense beaucoup à toi. J'aimerais dire comme dans la toune. C'est la tune que j'ai chantée au party. Tu me provoques des douleurs. Tu me fais mal au cœur. Nous ne sommes pas pareils, mais pourtant. Oh. Ok. Lola, faut qu'on le retrouve. Il va faire une connerie. Je crois que je sais c'est où qui est allé. Puis comment tu saurais? Ben, c'est pas la première fois qu'il se cherche à aller. Sauter, mais ça aurait pris 10 ans, mais vous auriez eu ce que vous vouliez. Arrête, arrête, fais pas ça! Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça fera un fif de moins. C'est bien, non? On était épais, on disait. Soleil.
à ses premiers rayons. Parmi les roseaux, cueillir l'oiseau du paradis, à coups de grelots, à son de whisky. Chanter la tonne comme papillon qui tourne. Aïe, tu me fais mal encore.